Il ne faut surtout pas les mixer afin d'obtenir du croustillant dans la pâte. Je vais mélanger 125 g de farine, 75 g de beurre doux à température ambiante, 1 g de sel, 10 g de sucre vanillé bio. Donc je malaxe doucement mais pas trop longtemps. C'est juste pour sabler ma pâte. J'ai ajouté 40 g de sucre, 40 g de dragée concassée, 25 g d'œuf entier mélangé avec une pointe de colorant vert. Et je vais mélanger pour obtenir une boule. Alors là, je le fais à la spatule et après, je le mélangerai à la main. On voit les petits morceaux de dragée concassée, c'est ce qui va apporter le croustillant. Et j'ai mis très peu de colorant gel. J'ai étalé la pâte sur 3 mm en m'aidant des deux petites réglettes. Je me suis fait un gabarit avec deux feuilles de format A4 que j'ai scotchées. Après, je voulais que mon biscuit fasse 5 cm. Donc voilà, ça a donné ça. J'ai emporte-piécé mon biscuit. Alors maintenant, je vais le mettre 2 heures au frais. Alors moi, personnellement, je préfère étaler ma pâte avant. Au moins là, je vais voir ce qu'il me reste de pâte. Alors en fait, il me reste ça. Et là, je vais faire la deuxième partie. Ça permet de ne pas avoir de gaspillage. J'ai refait avec le reste un second cœur. Et il reste même un tout petit bout. Alors si j'avais multiplié les doses, j'aurais eu beaucoup de chutes. Je vais porter à ébullition 100 g de crème fluide entière, 12 g de miel d'acacia et 2 sachets de sucre vanillé. Alors moi je me sers de sucre vanillé biologique parce que je trouve que vraiment le goût il est excellent. Après j'ai ajouté une pointe de colorant rose et je verserai tout ça sur mon chocolat Zéphyr. Ça paraît un petit peu rose vif, mais quand je l'aurai versé sur le chocolat et rajouté la crème, ça sera un petit rose pastel. Je vais le laisser fondre quelques minutes. Et là, je vais ébullitionner au moins pendant une minute. Maintenant, je vais rajouter 300 g de crème fluide entière, bien froide. Je l'ai filmée, je vais la mettre quelques heures au réfrigérateur. Petit cœur fini. Alors il me restait un petit peu de pâte, donc j'ai fait des tout petits cœurs pour la déco. Direction le four, je vais surveiller la cuisson. Je pense qu'il y en a bien pour un quart d'heure.